Bonjour. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter une de mes méthodes de travail qui s'appelle le Surrogate. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cynthia. Je me suis formée et je pratique l'hypnose depuis plusieurs années dans un but thérapeutique. En plus de ça, je me suis formée à d'autres outils, hein, en plus de l'hypnose, des outils qui m'ont permis de pouvoir compléter mes séances et pour que, elles soient de plus en plus efficaces. Eh bien, j'ai combiné plusieurs techniques, dont je me suis également, j'ai appris le magnétisme et à partir de là, j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait de plus en plus de résultats en combinant différentes méthodes. Alors, au fur et à mesure de ma pratique et également de mes nettoyages énergétiques, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres capacités subtiles qui étaient de plus en plus présentes et dont la véracité était justifiée. Donc, j'ai également développé la clairaudience et la clairvoyance. Donc, on peut dire que je suis ce qu'on appelle médium, et dans le sens où je capte les énergies tout autour de moi, les énergies dans les différents plans. À partir de tout ça, j'ai pu constater qu'effectivement, en travaillant, j'avais de plus en plus d'informations qui venaient et qui me permettaient de pouvoir aider les gens pour aller vers un mieux-être. Et en combinant donc tous ces outils que j'ai appris, j'ai pu, avec Aubin, créer ce qu'on appelle donc le fameux Surrogate, dont alors c'est une technique qui n'est pas très répandue. On l'utilise essentiellement en hypnose régressive, mais là, nous le faisons vraiment pour aller chercher la racine du problème, hein, pour aller à la base du problème. Et donc, cette technique, ben, je vais vous la présenter. Donc, qu'est-ce que le Surrogate ou substitut en français? Alors, le Surrogate, c'est une technique qui est utilisée lors de séances en hypnose et qui est basée sur l'utilisation du canal de médiumnité. La séance se déroule avec trois personnes. Il y a le consultant, le thérapeute et le médium, qu'on appelle surrogate. Le médium se met dans un état propice à la réception des informations en parallèle de la personne. Ces informations arrive avec précision sous forme d'images, de sons ou de ressentis, autant physiques qu'émotionnels, et qui viennent donc compléter les informations perçues par le consultant. Alors, cette technique peut se réaliser en présentiel ou à distance, que ce soit par téléphone ou en visioconférence, et également pour certains cas, pour des cas exceptionnels, sur photo. À quoi sert le surrogate? Le surrogate permet d'avoir une vision plus complète des énergies rattachées à la problématique afin d'avoir de meilleurs résultats à l'issue de la séance. Grâce à l'expérience du médium qui sait comprendre et décrypter les informations perçues, cela couvre un champ d'application très vaste, tel que la récupération de parties d'âme, la guérison de corps spirituels ou de chakras, le nettoyage des mémoires karmiques et transgénérationnelles, l'exploration des vies antérieures, le retrait des magies sur soi ou sur ses ancêtres, et aussi la compréhension de l'origine de certaines situations ou pathologies. À qui s'adresse le surrogate? Alors, il s'adresse à toute personne n'arrivant pas à lâcher prise et à descendre dans des ondes cérébrales qui sont adaptées afin de recevoir les informations. Par exemple, il s'adresse aux gens ayant un mental trop présent ou ayant des blocages, ou bien pour les personnes ayant des déficits cognitifs, comme ceux atteints d'Alzheimer ou d'autisme, ou étant même dans le coma. Et également, le surrogate peut être utilisé pour les jeunes enfants, les animaux,
Et plus largement, pour toute personne désirant davantage de résultats en une seule séance. Pour résumer, le surrogate correspond à un médium qui est sur la même longueur d'onde que le consultant en captant les mêmes énergies, mais avec beaucoup plus de détails. Et cela permet au thérapeute une grande précision et une meilleure efficacité pour le mieux-être du consultant. Alors j'espère que ces explications vous ont permis de comprendre qu'est-ce qu'un surrogate. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez tout simplement essayer cette méthode, eh bien, voici le mail qui s'affiche en dessous. Et également, il y a le site internet. Donc, que ce soit pour vous ou pour un de vos proches, voilà, nous sommes disponibles, Aubin et moi, pour vous faire découvrir cette méthode. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.